Une délégation Fonds mondial et PEFA qui s'est dégoûté au programme pour financement activité VIH-SIDA en Haïti, a visité le pays pour dresser un bilan résultat qui arrive fait dans le secteur SA. Vous avez gagné une rencontre avec représentants de l'organisation qui travaille dans le domaine. La rencontre a été faite dans le local CCM Haïti, qui est une instance qui peut gérer et coordonner le programme Fonds mondial sur SIDA, tuberculose et malaria en Haïti. Mark Eldon Effington, c'était chef de délégation pour Fonds mondial, expliquait visite ça permet de voir comment le programme ça avancer dans le pays. Avec le nouveau leadership, on a déjà fait la restructuration à la siège. On a ciblé beaucoup plus de ressources humaines sur les pays d'autres impacts, comme l'Haïti. Alors, on a changé. Il reste encore des choses à faire, mais on veut vraiment que notre agent investisse dans les interventions de haut impact dans les pays. Et qu'on fait une bonne gestion. Ambassadeur Eric Gosby, cap dirigé PEFA, programme gouvernement américain pour VIH-SIDA, dit qu'il constate que gouvernement haïtien prend leadership sur la question VIH-SIDA. Il salue tout, présence premier dame, qui est président CCM. Il dit tout, PEFA a travaillé avec le Fonds mondial pour faire le programme ensemble, pour arriver à économiser l'argent, et à viser le programme qui a plus de résultats dans le pays. With the whole emergence of treating, dropping your ability to infect a HIV negative partner by 96%, we now really know that if we do this right, we can drop the number of new infections precipitously over the next 2 years. We're at that point. Délégation Fonds mondial et PEFA a visité tout forum ONG qui travaille dans le domaine VIH-SIDA en Haïti. Dr. Fritz Moïse, qui est président du forum ONG, a expliqué le travail du forum. Le forum est composé donc de toutes les institutions qui ont reçu ou qui reçoivent des financements du Fonds mondial. Vrai, donc, l'ancien RAM, nouveau RAM, RAM en cours, etc. Tous les SR qui sont membres du forum automatiquement et le forum se réunit régulièrement sur l'évolution des projets, partager les points, les difficultés rencontrées et établir des programmes de suivi et d'assistance. D'après information Sécosi d'arrivée joine, Fonds mondial et PEFA a toujours continué financement activité VIH-SIDA en Haïti. Pour Kounia, financement yo réduit en pile. Il a financé plus traitement que prévention, ça qui a la cause objectif pour ta gagner zéro infection VIH dans le pays n'a pas arrivé fait.